La Sherbrookeoise Émilie Simard est la première athlète de l'Estrie à revêtir l'or aux Jeux du Canada. Ça a bien été, on est content d'avoir gagné, puis on a vraiment décollé vite, fait qu'on a gardé ça tout le long. La kayakiste et ses trois coéquipières ont remporté lundi l'épreuve du K4 500 mètres. Tu sais, on se basait surtout sur le départ pour essayer d'avoir une bonne avance, là. Mais on s'est surprise nous-mêmes, là. On est parti vraiment vite, là. On était contentes. Dans le fond, on part vite, on va vite dans le milieu, puis on finit vite. C'est pas mal ça. En effet, les Québécoises ont quitté la ligne de départ avec un solide coup de pagaie qui les a propulsées en tête dès les premiers mètres. Elles ont ensuite maintenu cette avance jusqu'à la ligne d'arrivée. Temps final, 1 minute 50 secondes et 2 dixièmes, plus d'une seconde et demie devant les Néo-Écossaises. Par les années précédentes, aux Jeux du Canada, c'était toujours les filles de la Nouvelle-Écosse qui gagnaient le K4, mais cette année, on les a enfin eues, fait qu'on était vraiment contentes de ça. Émilie Simard sera surveillée à nouveau au K4 200 mètres mercredi et elle vise aussi le podium en solo au K1 5000 mètres. C'est une vraie médaille, là. C'est surtout au niveau de la confiance, puis c'est une expérience d'athlète, fait qu'après ça, pour les autres courses, bien, c'est une course de plus, une grosse course de plus en bagage, puis on la garde en tête, puis on y va pour les autres courses après ça. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke.